Salut à tous et à toutes, c'est Tous sous des pucks. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de l'Elite Trainer Box, autrement dit le coffret dresseur d'élite de la voix du maître. Le coffret que tout le monde cherche de partout, qui est introuvable, qui est déjà en rupture de stock de partout. Donc je vous le montre comme je peux, c'est pas évident. Alors vidéo, ça rend moins bien qu'en vrai. En vrai, il est vraiment brillant le Dracaufeu sur du noir. Donc super content, j'ai réussi à en choper un petit peu. Je devais en avoir 10 à Cultura, mais ils ont vendu ma précommande. Ouais. Donc moi j'achèterai plus jamais chez eux en tout cas. Et j'en ai reçu du site Ludifoli. Voilà, donc je les ai reçus tout à l'heure. Donc petite ouverture d'une ETB. Alors on va ouvrir ça. Alors j'en ai ouvert un petit peu bah, en live sur le. Voilà, j'ai eu peur, je crois qu'il allait tout tomber. J'en ai ouvert deux sur en live sur le groupe Pokémon où je suis sur Facebook. La ferme Pokémon. On a eu des cartes sympas, mais on voit bien que ça brille bien là. On a eu des cartes sympas, mais pas les Dracaufeu, évidemment. Si on ouvre ça, enfin moi si j'ouvre ça, c'est pour choper les Dracaufeu. Il y a deux Dracaufeu secrètes. Alors, on a un petit bouquin de EB1 d'ailleurs. Bon, c'est pour apprendre à jouer, rien de spécial. On a les boosters, mais ça, on va voir juste après. On a les dés, qui sont plutôt sympas. Tout le orange, très sympa. On a les séparateurs de deck. Donc à l'effigie de Dracaufeu. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des sleeves. Donc des magnifiques sleeves. Je crois qu'on a 65. Ouais, c'est la 65. Un peu abîmé là. Hop. Donc ça c'est cool. On a un code que je garde. On a un paquet d'énergie. Des jetons. Marqueur de dégâts. Et évidemment, le sublime Dracaufeu promo. Non, ah non, je crois qu'elle avait un pet, mais non, c'est un saleté. Qui est très très beau, hein. Vraiment très beau. Donc pourquoi ces box sont autant recherchées? Bah parce que déjà il y a Dracaufeu promo, parce qu'il y a deux Dracaufeu secrètes dans la série. Parce que les séries 0.5 sont toujours recherchées, dans tous les cas. Et surtout parce que cette carte se cote pas mal. Donc j'ai vu à peu près 30 euros. Ce qui rembourse la moitié de la box, mine de rien. Donc bah, c'est plutôt rentable une fois que si vous vendez cette carte. Pour 30 euros, vous avez les 10 boosters, soit 3 euros le booster, donc c'est plutôt cool. Sachant que bah, si vous en achetez qu'une, vous allez la garder, enfin, généralement. Bon, j'en ai acheté plusieurs, donc évidemment, je vais en garder une et les autres, je vais les échanger ou les vendre. Tout simplement parce que j'enverrai pas la gradation les Dracaufeu promo. Non. Et j'en vois jamais de promo, donc. Bon, j'enverrai peut-être une dans un envoi, histoire de dire, mais voilà, c'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui, 10 boosters. Donc je vais vous montrer les quatre illustrations. Donc on a lui, c'est Ixon de Galar, je crois. Gardevoir. Alors lui, je ne sais plus du tout le nom. Truc chantilly, là. Et Torgamor, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc 10 boosters, l'objectif, c'est les Dracaufeu secrètes, surtout la shiny, parce qu'il y a une shiny. Mais bon, faut pas trop rêver. Donc là, j'en ouvre une petite ETB. Et je referai, je pense mettez des likes, voilà, s'il y a beaucoup de likes, je referai une ouverture. Donc ce sera encore des ETB, mais j'ouvrirai les ETB avant hein, pour gagner du temps. Allez, premier booster, on y croit. Ils sont assez chanceux généralement les box. Les deux que j'ai ouvertes, j'ai eu une avec 4 ultras et une avec 2 ultras. Donc ça reste plus connu. Allez, Gridpat, Aspico, Zigzaton. Énergie, la conserve, Victini, l'hyperpotion, recherche professorale. Donc on est en holo dans la série. Bon, les particularités de la série, si vous n'avez pas encore vu de vidéo ou quoi que ce soit, ce qui m'étonnerait, il y en a partout. Toutes les cartes dans la série sont. Enfin, toutes les rares sont holo. Voilà. Donc derrière là, on a une holo ou une ultra. Il n'y a pas de rare simple. Et on a déjà une petite V. Ouais, une petite V. Garde-voir V. Wow. Ça fait peur quand même. La découpe au secours. Hein. Les cartes sont de très mauvaise qualité, je trouve, hein, pour la plupart. On voit tout autour les points blancs, la découpe catastrophique. Bon, ma première ultra, je mettrai sous pochette après. Petite garde-voir V. Donc c'est comme d'hab, on a les V max, les full art, les dresseurs, les secrets dresseurs, les secrets, etc., etc. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de cartes dans la série. Il y en a 73. Plus 7 secrets, je dirais. D'ailleurs, on n'a pas regardé le livret. Ouais, il y avait un petit livret avec pour montrer les cartes, mais ça évitera de se faire spoil. Alors, on avait Total Soin, Gridpat, Chakripan, Abo, La Potion, Énergie Psy,
Absol, Super Bowl, Motti Smart, Miasme en Commune Reverse, et derrière on a Loup-Garouk en holo. Voilà ce que je vous disais, il y a un holo dans tous les boosters. Donc c'est plutôt cool, je pense surtout aux enfants. Qui eux pensent que par bah, nous aussi, hein, mais c'est très important pour les enfants d'avoir des holographiques ou des ultras, bah là ils sont. Ils vont être plutôt contents, il n'y a que des belles cartes. Dans chaque paquet, il y a au moins une belle carte. Allez, Rocabo, Total Soin, Bagiguan, Abo, Coconfort, Énergie Feu, Motti Smart, Absol, Super Ball, le Chapotus, et derrière on a Recherche Professorale en holo. Celle-ci, c'est une réédition de je ne sais plus quelle série dans Soleil et Lune. C'est pas ouf. Surtout qu'on l'avait déjà eu en rare simple dans les avant-premières EB3, je crois. Donc du coup, c'est encore moins ouf. Bon, elle n'était pas holo, certes. Alors, Goupix. Moi, c'est mon coup de cœur de la série, au niveau des communes, en tout cas. Un petit truc là. Très joli, ce petit Goupix. Bien coloré. Bon, il faut espérer avoir des petites full art, petites secrètes. En reverse, un petit Carvana, pareil, qui est plutôt sympa. Les cartes sont très colorées. Enfin, le rouge, en tout cas, il rend très très bien. Et derrière, on a un petit truc, pareil. Les bords sont pas ouf. Une V. C'est encore garde de voix. Non, c'est Charmille. Charmille V. Bon, plutôt sympa, ça, en plus. Donc, deux petites V, maintenant. Plutôt plaisir. Je crois que j'avais les deux. Le garde de voix, je l'ai sur le Charmille. J'ai un doute, mais je crois que j'avais les deux. Bon bah c'est plutôt des full art etc. qui va me manquer. Il doit me manquer des V aussi, hein, j'ai ouvert que deux coffrets. Le petit Goupilou, Miamiasme, Bébichu, Rocabo, Potion, Énergie O, Léopardus, Charpedo, Hyper Potion, le Goupix en reverse, ça c'est cool. Ça rend plutôt bien. Et derrière on a Rosemary en holo. Donc ça aussi c'est une réédition. Bon, je pense qu'ils ont aussi réédité pour le jeu. Parce que je crois que c'est des cartes. Enfin, je suis presque sûr que c'est des cartes qui sont jouées. Je peux me tromper, mais je crois pas. Hop. Allez, on continue. Sepia Top, Zigzaton, Miamiasme, Total Soin, Gripat, Énergie Obscure, Percy, Stade de Greenbury, Victini, Bagaïd, c'est une rare reverse. Enfin, une holo reverse, pardon. Parce que du coup, c'est forcément une holo. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, je l'ai jamais vu cette carte en holo, mais elle doit être en holo parce que toutes les rares sont holo. Et derrière, on a Loup-Garouk encore. Ok, sympa, mais on a déjà. J'arrive pas à l'ouvrir. Les petits codes. Ok, attends, un deux. Bon, allez, donne-moi une petite carte sympa là. Un peu bling-bling. Bibichute, Total Soin. Bagiguan, Chakripan, Machoke, Énergie Plante, Arbok, Nabil, Motti Smart, Bagiguan Reverse et Macogneur en holo. Okay. Alors apparemment de ce que j'ai entendu, elle sort très 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 souvent cette Macogneur. Moi bon, c'est la première fois que je l'ai. En tout cas. De toute façon les holos, ça sera très facile à compléter par vous-même. Et si vous en manquez une ou deux, vous pourrez les avoir pour une bouchée de pain. Et bon. Et bon, rien valoir les holos du fait qu'il y en a une par booster. Ça va être facile à compléter. Allez, Charby, Zigzaton, Aspico, Chakripan, Pokéball, Énergie électrique, La Conserve douteuse, Sepiatros, Super Ball, Gripat en reverse et Sort Silence en holo. Ça va, plutôt cool. Bon, c'est un Pokémon plutôt sympa. Il reste deux boosters. Bon, pour l'instant, on n'a pas la meilleure TD possible. Clairement. Bah après, voilà, hein, il y en a qui sont très chanceuses, il y en a qui sont moins chanceuses, hein, c'est le jeu. Hein. On peut jamais savoir ce qu'on va ouvrir. Alors, Aspico, Tilton, Coconfort, Pokéball, Machoke, Énergie Combat, Peterson, je sais pas, Sonia, Sharpedo, Rosemary en holo reverse. Et derrière, oh, une petite V encore. Un blanc coton, V. Donc c'est pas la carte que vous avez déjà vue, elle était dans EB1 je crois. EB1 ou EB2, je sais plus. Je crois que c'était EB1. Mais c'est pas la même, c'est une alternative. Tac, trois petites V. Bon, c'est pas là ce qu'on cherche les V hein, le plus. Très clairement. Mais on va pas cracher dessus, c'est déjà. Ça
C'est déjà ça. Hop là. Alors, dernier booster. Abo, Carvana, Tilton, Goupix, Miamiasme, Énergie Feu, Charpedo, Peterson, Chapeautu, Aspico, c'est une commune reverse, et on arrive. Et bah tiens, le Bagaïd de tout à l'heure, qui est bien en holographique. Bon, pas l'ouverture du siècle, clairement. On a eu trois petites V. Donc plutôt sympa, le petit blanc coton, le garde-voir et le charmille. Voilà, je vais vous les mettre ici. Donc je referai une vidéo si ça vous dit. Vous mettez des petits commentaires, des likes pour me dire. Sinon, bah, je ne ferai pas. Hein. Si ça vous dit, j'en referai une. Avec peut-être 20 boosters, par exemple. De cette série, qui est plutôt sympathique. La prochaine série EB4, c'est quand même ça. J'ai vu que ça sortait en novembre, début novembre. Donc ça va arriver plutôt vite. Mine de rien, ça va arriver plutôt vite parce que si on va avoir ça fin octobre, je pense que ça va commencer déjà à sortir. Pour cette série-là, bah, si vous en trouvez pas, vous inquiétez pas. De ce que j'ai entendu chez les revendeurs pro, les sites pro aussi, ça, il y aura peut-être, enfin normalement, il y aura un réassort pour Noël. Voilà. Alors est-ce qu'il y aura beaucoup de réassorts ou un tout petit peu, ça je sais pas. Mais il devrait y avoir un réassort pour Noël. Faites attention, achetez pas les ETB à 150 euros. Du moins pour l'instant, pas d'affolement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.